Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuel, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite info que Rockstar vient tout juste de publier sur Twitter et sur leur site officiel. Donc du 1er août au 3 août aura lieu un tout nouveau double XP. Donc ça avait déjà été annoncé lundi que le DLC resterait une semaine de plus. Il avait écrit en anglais restait à l'actualité sur le site, un double XP devrait arriver très prochainement dans la fin de semaine, et du coup ce double XP arrive. Alors en quoi consiste ce double XP? Tout simplement sur toutes les missions, que ce soit des missions de Lester, de Martin, des courses, des activités, des attaques de gang, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous allez faire du 1er août au 3 août minuit, donc dimanche à minuit, heure aux États-Unis, par heure française, heure aux États-Unis, et peu importe ce que vous allez faire, vous aurez tout simplement double XP. Donc c'est-à-dire que si vous faites une course qui rapporte 2500 RP, vous allez recevoir le double, donc vous allez recevoir 5000 RP. Donc c'est aussi le dernier moment et la dernière chance pour vous de pouvoir acheter le Libérator et les armes et la moto, sinon après vous ne pourrez plus les avoir. Je tiens à préciser que pour ceux qui ont déjà acheté le lance-roquette ou les véhicules, etc., ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les perdre, vous allez toujours les garder. C'est une information qu'il faut que je vous dise, parce que sinon peut-être que vous avez peur de dire ouais ils vont supprimer la mise à jour, je vais perdre mes véhicules. Non, pas du tout, vous allez les garder. Après, je sais pas comment on va faire pour pouvoir récupérer des munitions du lance-roquette feu d'artifice. Je vais voir ce que je peux trouver avec ça quand la mise à jour sera tout simplement partie. Quand la nouvelle mise à jour arrivera plutôt. Et du coup, voilà. Donc voilà, petite information assez importante. Faites-vous un max d'XP pour arriver jusqu'au level 120 et achetez-vous ce fameux lance-roquette ou ce minigun. Tout le monde le veut, c'est l'arme la plus redoutable sur GTA Online. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais un petit coucou pour vous dire d'aller me rejoindre sur Facebook et Twitter et de pourquoi pas aller vous abonner à la chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde.